Il est trop mignon, putain, je l'aime mon chat. Oh, t'es beau, t'es beau. Tiens, parle au micro. Miaou. Je sais que ça vous a stressé la dernière fois. Ah! Aujourd'hui, j'ai besoin, et on a tous besoin, de rire! Au moment où je tourne le hashtag numéro 1 en France, c'est explosion! Ça prouve qu'on a besoin de rire, on en a besoin, c'est vital! Bon, juste avant, dans la dernière vidéo sur les DIY, je vous avais dit à un moment que dans la prochaine, je voulais regarder les meilleurs DIY. Et du coup, je me suis dit, à la place de faire ça et de regarder un thread sur Reddit sur les meilleurs DIY, pourquoi pas relancer un peu les hashtags qui vous concernent vous, genre comme ma particularité physique par exemple, que j'avais adoré faire, pareil sur mon petit truc bizarre, et bah là on ferait hashtag mon meilleur DIY sur Twitter, mettez votre meilleur DIY, et les autres qui n'ont pas de DIY, allez fave les meilleurs, comme ça, ça les fera remonter et je les verrai et je pourrai faire une vidéo dessus. Tout simplement, c'est bien, non? Ça, ce sera une autre vidéo et je vais en faire d'autres des hashtags parce que ça vous avait vraiment plu et il y a plein de sujets en réalité, il y a plein de trucs. J'ai même envie de relancer les particularités physiques tellement il y en avait. Pourquoi pas? Je vous dirai en vidéo en tout cas. Bon, revenons au sujet principal. On veut rire. J'ai tweeté tout simplement. Je veux rire le plus possible. Envoyez les TikTok les plus drôles sous ce tweet. La crème de la crème. Et je me suis zéro spoil. Donc je découvre tout aujourd'hui. Je crois que TikTok, c'est un des seuls réseaux où vraiment je rigole, mais de bon cœur. Il y a des soufflements de nez, des. Même des sourires, ça suffit des fois de rigoler intérieurement, ça marche aussi. Je veux rire. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Pourquoi j'ai pas de son? Ça marche pas! Ce genre de rire communicatif là, j'aurais aimé vivre avec cet accent à la Peaky Funking Blenders. J'ai pas vu la série, voilà, je me permets de mal la lire. Je crois que l'audio n'est absolument pas rec en fait. Mais what the fuck? Mais attends, qu'est-ce que c'est ce bordel là? Je l'ai pas compris, j'étais sur un problème technique. J'étais sur un problème technique là. Mais c'est pas possible, vous voulez pas que je rie? Pourquoi ça charge maintenant? On a dit que du rire, que du rire, que du rire, que du rire. Je vais y arriver. Allez, c'est bon, ça y est, ça y est. Oh putain, je reviens. Allez, c'est bon. C'est le seul défaut de cet endroit, c'est que je suis assez loin de Bob. Je comprends pas ce qui déclenche le rire. Y'a pas de son? Pourquoi y'a plus de son? Pourquoi j'ai pas de son? Pourquoi j'ai pas de son? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Ils ont mis une espèce de faux fond d'écran de télé cassé. Et du coup le daron il allait chercher l'ancienne télé, la vieille télé. Tous les darons ont une vieille télé comme ça qui s'allume et qui certainement a perdu 97% de ses couleurs. Le prank il est incroyable. Attendu jusqu'à ce qu'il la branche, qu'il la ramène. Et dans un second temps, le rire, oui. Je valide, on a besoin de rires communicatifs comme ça. Les rires qui peuvent m'entraîner dans une spirale infernale de rire et ne plus jamais m'arrêter et en pleurer, c'est vraiment les rires où il y a de la cigarette dedans. Il y a des gens, ils ont un rire goudronné, genre. Ça me termine, je sais pas pourquoi. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Hibou, je suis sûr que t'en as un. Je suis sûr que t'as un rire comme je le dis. Merde, y a plus le son encore. Y'a pas de son, c'est en train de me casser les couilles. Ça a l'air de marcher avec un casque. Too sexy for my love, love's going to leave. Pourquoi cette tête là? Ça signifie quoi pour un phoque? Par contre vraiment, Carlito, y'a un petit truc qui se passe. J'ai pas de son mais merde. Je vais changer de câble USB parce que j'ai l'impression que ça vient de ça. Hidden talent of mine? Making babies laugh. I never fail, so please. Duet this with your baby, okay. And I can make them laugh. Pour les personnes qui sont pas souvent sur TikTok, qui comprennent pas comment ça marche, en gros, il explique juste que il a une technique pour faire rire les bébés. Et sur TikTok, en gros, bah quand on voit une vidéo, on peut faire un duo. Et quand on fait un duo, ça veut dire qu'on peut filmer en écran scindé comme ça. Voilà, ça c'est un duo. Et du coup, évidemment, et c'est pour ça que j'adore TikTok, il y a des gens qui ont mis leur bébé devant ça pour voir si ça marchait. Duet this with your baby, and I can make them laugh. Ça c'est oui, vraiment. C'est surtout vraiment nul, désolé. Faire peur à un bébé, la dernière chose à faire, y'a rien de drôle. T'as raison, faire peur à un bébé, là, de cette manière-là, non, c'est juste honteux et je comprends pas pourquoi on rigole de ça. Où sont ceux qui ont été likés? Putain, mais ça me casse les couilles, je peux pas voir ceux qui ont été likés, c'est chiant. Ça marche pas. Je redoute le moment où le son va s'arrêter. Je
vient de faire tomber des clous par dizaines à l'instant en voulant réparer ceci. Ça sonne chez moi. C'est un colis et il était même pas pour moi. Ah, attendez, là c'est exceptionnel ce qui se passe. Twitter ne se lance plus. Je veux juste rire. J'ai des clous sur mon sol, j'ai une carte son qui marche plus, Twitter ne marche plus. Pour couronner le tout, écoutez bien. Oui, bonjour Jordan. Est-ce que tu as oublié le tournage? Dès que t'as des zooms, ça tourne, hein. J'attends. Oui. Donc là, je dis à Maxime, premier réflexe, faut dire la vérité. Je lui dis oui, complètement. Quel est le thème? Et dans la panique, je lui ai dit, est-ce que tu veux venir chez moi installer un lustre pour décoter des zooms? Et il m'a dit, j'arrive. Je sais pas quoi faire. Rien ne marche. Je voulais juste regarder les TikTok. Et regardez, il est pas réellement cassé, j'ai juste à remettre ça là. Cette vidéo, c'est un peu 2020. On va y arriver à rire. Ne vous inquiétez pas si je regarde là, c'est parce que maintenant je passais sur le Mac. À ce stade-là, je prends tout. C'est bon, ça me convient. Ben, j'ai envie de le faire aussi. Moi aussi, j'ai envie de péter à côté d'une dame statue pour voir si elle réagit. Oui, je peux acheter mon Pepsi. Vous savez, l'humour, c'est subjectif. Je sais pas ce qu'on en fait de cette vidéo. Je crois que les gens ont pas compris. Je peux plus. Je sais pas pourquoi à la simple vue de ça, ça me fait rire, mais je pense que faut arrêter là. Rire gratuit, enfin, enfin. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle là maintenant? Y'a rien de drôle, c'est pas drôle. C'est pas possible. Mais attends, mais je pensais que les gens allaient envoyer des dingueries moi. Je crois que non, ça va pas. Quelle est cette journée? De base en ce moment je fais beaucoup de sons, je fais beaucoup d'instrus, je fais beaucoup de sons sur lesquels je pose, etc. Donc je prépare des sons, c'est cool. Mais du coup ça prend du temps de fou. Et quand je suis dans ces phases là, je fais moins de vidéos très travaillées. Justement je me dis, c'est des vidéos qu'il faut que ce soit simple à tourner, faut que ce soit une heure tranquille. Et je me suis dit tout simplement, regardez vos TikTok, c'est simple. Ça me permet d'avoir plein de temps et d'être serein. C'est tout l'inverse, rien ne marche. Are you winning son? Son. C'est ça vos meilleurs TikTok? J'abandonne. Je vous demande plus jamais. Je coupe tout, c'est stop. Si ça vous a plu, à la semaine prochaine, double ciao. Dites ça. Ah oui, d'accord, ah ouais, okay. D'ailleurs, bienvenue dans ma vidéo. Ah là, ça tourne en fait. Ouais. Et bah c'est bien, et bah c'est beau chez toi. C'est quoi ton concept? Juste, j'ai voulu tourner, j'ai fait la vidéo la plus simple possible. J'ai dit aux gens, envoyez-moi vos TikTok les plus drôles. Ok. Les gens ont envoyé des TikTok. Il y en a très peu qui sont drôles. Ok. Et je lance la vidéo, le son ne marche pas. Ah cool. Le son des vidéos ne marche pas. En plus des TikTok pas ouf. Je prends cette table de mixage, je la tape un petit peu. Ouais, taper un objet, ça peut le réparer. Rien ne se passe. Je le pousse très fort, pas très fort en réalité, un peu fort. Et ça vient taper, heurter l'ordinateur, qui fait tomber des clous. Okay. Et là, je reçois un message de Maxime à Mixem. Au même moment. Oui, bonjour Jordan, tu as oublié le tournage? Ah, c'est trop cool. Et donc là, ta vidéo à toi, elle est pas du tout complétée quoi. Y'a quelques réactions quoi. Mec, j'ai aucune idée de comment sauver ça quoi. Eh, hey, ton studio il est bien, mais je suis content de... Il est sympa. On va monter un lustre chez moi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle. Double ciao.